Bonjour à tous, c'est notre rendez-vous désormais sur ETV et EFM RTL Guadeloupe, notre édition spéciale consacrée au jour le jour à la gestion de cette crise du coronavirus, les dernières infos, vos témoignages et vos questions au 05 90 32 80 80 et nos invités en studio avec bien sûr toutes les précautions et le respect des gestes barrières ou le cas échéant par téléphone. Aujourd'hui, nous recevons Patrick Vialcollet, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Fenderi. Merci d'être venu jusqu'à nous. Nous serons en ligne également durant cette émission avec la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin, également présidente du conseil de surveillance du CHU de Guadeloupe. L'occasion pour nous d'adresser nos meilleures pensées au directeur général du CHU, Gérard Cotelon, mais aussi à la présidente de la commission médicale d'établissement, la CME, le professeur Suzy Duflo, et au professeur Michel Carl, chef du service de réanimation du centre hospitalier. Ces trois cadres du CHU qui ont contracté le Covid-19, comme nous l'avons appris hier, et à qui nous exprimons toute notre affection, de même qu'à toutes les personnes qui sont touchées par ce virus. Nous appellerons également Franck Lasserre, le président du syndicat des ambulanciers de la Guadeloupe. Il nous dira comment ce secteur exposé vit cette crise sanitaire et comment nos ambulanciers y font face. Enfin, autre invité à venir en direct, le recteur d'académie, monsieur Mostafa Fourard, pour évoquer avec lui l'efficacité des dispositions mises en œuvre pour garantir la continuité de l'enseignement dispensé aux élèves en ce temps de confinement. Voilà donc le sommaire de notre édition spéciale, avec vos appels bien sûr que nous attendons au standard de TV et de FM RTL Guadeloupe. Je rappelle le numéro, il va s'afficher à l'écran, le 05 90 32 80 80. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. Patrick Vialcollet, encore merci d'être avec nous en votre qualité de président de la CCIG. Ce n'est pas seulement le monde économique qui souffre en ce moment, c'est tout le monde. Oui, on a vraiment pris ça de plein fouet. J'ai envie de vous dire, on ne s'y attendait pas, c'était imprévisible. On avait bien sûr quelques soubresauts avec ce qui se passait en Chine, puis en Italie, et c'est là qu'on a commencé à prendre conscience que le monde était ouvert, que la mondialisation faisait que ce virus, ben, il allait se propager dans le monde entier. Et ben, tout d'un coup, on s'est rendu compte que notre vie allait changer et que nous allions devoir affronter un virus qu'on ne voit pas, sans passeport, qui est lent et qui va rentrer dans toutes les familles guadeloupéennes. Et bien sûr, nous avons commencé à faire les gestes de protection que vous connaissez. Et là, nous sommes au début de la crise. Mais il faudra y faire face. Et nous, on est mobilisés, la CCI, tous les collaborateurs, pour faire en sorte que les entreprises traverse cette crise et qu'enfin on puisse redémarrer un jour. Je dis bien un jour parce que malheureusement, vous l'avez compris, pas de visibilité, je ne sais pas quand. Une crise, on l'a dit, sans précédent, qui bouscule, hein, et dont il va falloir pourtant se relever. Alors ça bouscule tout. Déjà, il a fallu s'organiser. Télétravail, ça prend un peu de temps. Il a fallu que, bien sûr, la mise au ralenti, hein, on comprend pas bien, mais la mise au ralenti des activités, ça veut dire ceux qui peuvent travailler, travaillent, ceux qui ne le peuvent pas, s'arrêtent. Et puis, pouvoir permettre à tous nos visiteurs, environ 20 000, de pouvoir regagner leur lieu de où ils habitent. Hein. Ça paraît comme ça, ça paraît simple. Vous savez, tout le monde, on a l'impression de dire, je prends mon téléphone, j'appelle la compagnie et elle me ramène. Les avions sont plein. Nous avions à cet effet deux conférences téléphoniques par jour avec la DGAC, les compagnies, le sous-préfet, une à midi et une à 20h pour préparer l'acheminement, la sortie des clients, éviter que tout le monde se rende à l'aéroport. Vous vous rendez compte, ça a été catastrophique. On a vu des images avec un problème de proximité, donc des gestes barrières. Un certain affolement à un moment donné, au fur et à mesure que les clients, les touristes se rendaient bien compte que les taux se resserrent, la fenêtre de tir pour partir devient moins évidente. Et là, aujourd'hui, on va vers la fin. Je pense que d'ici mercredi, l'ensemble des clients auront été réachetés
acheminés dans leur lieu de résidence dans de bonnes conditions. Combien de touristes restent-ils en Guadeloupe là? Alors c'est pas facile à dire. Pour les hôtels c'est très simple, hein. Nous avons un point journalier. Je pense qu'il en reste environ une centaine, hein, qui sont éparpillés. Bon nombre d'hôtels sont fermés. Au moment où je vous parle, il doit rester à peu près 3 ou 4 hôtels ouverts. Tous les autres sont fermés. Et donc c'est simple de savoir. Par contre, en revanche, ben, les clients qui sont dans les gîtes, dans les villas, chez l'habitant, on a un peu de mal. Mais il y a une chose qui nous dit qu'il n'en reste pas beaucoup. C'est que la préfecture a un numéro qui était complètement débordé pendant tous ces jours. Et là, ça sonne moins. Si ça sonne moins, c'est soit des personnes qui ont décidé de rester pour l'ensemble de la crise. Et pourquoi pas, c'est pas pire qu'ailleurs non plus. Et donc, ils n'ont aucune raison d'appeler. Ils ont tout simplement décidé de peut-être reporter ultérieurement leur date de retour dans leur lieu de résidence principale. Très bien. Et comment ça va se passer au niveau des compagnies aériennes? Les vols vont commencer à se raréfier à partir de la semaine prochaine, c'est ça? Alors, ils se raréfient d'autant plus que les passagers se raréfient aussi. Donc il faut bien comprendre que pour l'instant les vols arrivent à vide quasiment, hein, puisque personne ne vient. Les Guadeloupéens et qui souhaitaient revenir l'ont fait et ils repartent pleins. Donc à partir de mercredi, les choses vont être un peu différentes compte tenu des nombres de vols qui sont assurés, en sachant que certaines compagnies n'arrivent plus à avoir suffisamment de PNC pour pouvoir faire voler leur avion. Et là, on va passer dans un autre système qui va probablement être un système de réquisition où on aura, en fonction de la demande, peut-être un vol par semaine ou peut-être deux, je n'en sais rien. Tout le monde comprendra bien que faire voler des avions à vide, ça n'a pas de sens. Très bien, justement, vous parliez de réquisition. Ce communiqué du préfet, hein, donc, qui réquisitionne des vols inter-îles, dans le cadre de la continuité territoriale, le préfet de la Guadeloupe a réquisitionné la compagnie Air Antilles pour assurer des vols entre Pointe-à-Pitre, Saint-Martin-Grand-Case, Saint-Barthélemy et Marie-Galante. Les horaires de ces vols seront connus. Les déplacements aériens doivent relever, on le rappelle, soit d'un motif impérieux d'ordre personnel et familial, soit d'un motif de santé relevant de l'urgence, soit d'un motif professionnel ne pouvant être différé. Des justificatifs à fournir auprès de la compagnie Air Antilles seront exigés pour emprunter ces vols inter-îles. Et donc, vous pouvez appeler au numéro suivant, donc 06 90 70 92 03. Un autre numéro, 06 90 70 92 05 et 06 90 70 92 06. Donc, la priorité, c'est précisé, est donnée au rapatriement sanitaire. Voilà donc pour le communiqué du préfet de région. Comment les entreprises s'en sortent, Patrick Vialcolet? Bon, les entreprises, pour beaucoup d'entre elles, vont rentrer dans ce que j'appelle l'hibernation. C'est-à-dire que, quelque part, il faudra qu'elles, avec recette zéro, qu'elles aient le moins de dépenses possible, qu'elles attendent que cette crise passe pour voir dans quelle mesure elles pourront redémarrer. On a des priorités. Notre première priorité, et parce que les entreprises sont citoyennes, c'est de voir comment on va faire pour payer les salaires de la fin du mois de mars. Parce que toutes ces familles qui attendent, et tous ces collaborateurs qui attendent d'être payés, c'est nécessaire pour eux pour que la vie continue. Alors vous avez plusieurs sortes d'entreprises, celles qui ont les moyens financiers, parce qu'elles sont bien capitalisées, que ça fait longtemps qu'elles existent. Celles-là, on n'a pas trop d'inquiétude, elles pourront préfinancer, puisqu'il s'agit d'attendre le remboursement de l'État, qui va être d'ici, après la paye, peut-être une quinzaine de jours, une vingtaine de jours. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça télescope avec le mois d'avril, qui vont pouvoir faire leur paye. Nous, on s'inquiète énormément pour les petites entreprises, pour les salariés des petites entreprises, et on est en train de voir avec les banques et l'IEDOM comment, techniquement, on peut trouver une solution pour toutes ces entreprises qui ont eu leur récépissé, comme quoi elles sont éligibles à l'activité partielle, que les banques puissent payer les salariés, ce faisant, étant remboursés par l'État, ils ne prennent pas beaucoup de risques. Et puis enfin, il y a les indépendants. Alors les indépendants, ce sont des personnes qui travaillent, qui ne sont pas salariées. Donc pour eux, il n'y a rien de prévu. Il y a un fonds de solidarité
pour toutes les entreprises qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires et qui pourront tout simplement prouver qu'elles ont été frappées par la crise et qu'elles ont moins de recettes. Alors il y avait le taux de 70% de pertes. Je ne sais pas si on ne va pas le travailler différemment, mais il faut penser à tout le monde. Et je pense souvent aux petites entreprises. Permettez-moi, c'est pas démagogique ce que je vous dis. Hein. Les grosses entreprises ont des gros problèmes qu'elles vont gérer avec leurs moyens. Les petites entreprises, mais le moral tombe et le chef d'entreprise, il se dit ça y est, c'est fini, je ne vais pas m'en sortir. Et en fin de compte, il jette l'éponge. Et on aura besoin de toutes les entreprises pour redémarrer le pays. Oui, oui, on pense notamment, vous l'avez dit, aux indépendants qui, eux, n'ont pas trop de solutions. Hein. Alors, les indépendants, il est prévu pour eux un fonds, une indemnité de solidarité, parce que c'est un fonds de solidarité. Le décret est en cours, entre 1500 et 4500 euros pour traverser la crise. Alors, c'est pas beaucoup, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand vous avez une entreprise, un taximan, que vous avez une voiture, que vous avez plus de recettes, bien sûr, on va vous dire, vous pouvez faire le report de votre échéance de voiture, c'est très bien, mais vous avez plus de recettes, 1500 euros à 4500 euros, c'est très appréciable. Toutes les dispositions annoncées par le gouvernement sont à l'œuvre au niveau de la CCI, comment ça s'organise? Vous avez un guichet unique? Alors, nous, si vous voulez, on est, bien sûr, en tant qu'établissement public de l'État. Ouais. On relaye la politique du gouvernement et on fait tout pour faciliter les déclarations du gouvernement, qu'elles soient effectives pour les entreprises. On a ouvert tout de suite, donc vous l'avez compris, le télétravail, puisque on ne pouvait plus laisser la CCI ouverte, sauf en cas d'urgence. On a quand même des collaborateurs qui sont là, mais beaucoup sont au télétravail, avec un numéro où toutes les entreprises peuvent appeler pour avoir des renseignements, une adresse email également, qui leur permet de poser des questions, et puis on va faire un Facebook Live, on est sur effectivement les médias pour pouvoir renseigner toutes les entreprises. On sait que nombre d'entre elles sont fermées, et puis bien sûr on fait un point avec les services, les administrations de l'État, l'aéroport, les compagnies aériennes, la région, le département, parce que nous sommes dans la première phase, c'est-à-dire la fermeture progressive des entreprises. Nous avons une deuxième phase qu'on considère, ça va être comment on va traverser la crise, en sachant qu'on ne sait pas de combien de temps elle dure. Donc vous voyez, traverser une tempête quand vous ne savez pas où est le bout, c'est pas facile. Et puis la troisième phase, celle qu'on attendra tous, celle qu'on espère, le redémarrage. Très bien. Je rappelle que vous pouvez, n'hésitez pas à nous appeler donc au standard de TV EFM RTL 05 90 32 80 80. Vous êtes dans notre édition spéciale quotidienne consacrée à la gestion de cette crise du coronavirus. Notre invité fil rouge aujourd'hui, Patrick Vialcollet, le président de la CCIG. Vous avez des choses qui sont en cours, Patrick Vialcollet? Alors, notamment pour faciliter l'alimentation des Guadeloupéens et l'accès donc aux produits locaux. Hein. Alors la CCI se veut très réactive. C'est-à-dire que, en gros, pour faire les choses simples et expliquer à vos auditeurs, chaque fois qu'on identifie un problème, on cherche la solution. Parce que il ne s'agit pas de dire ben, il n'y a plus de marché, on peut plus, les agriculteurs ne pourront plus vendre leur production, et puis bon, tant pis, c'est dommage, on va voir comment les indemniser, ou on va voir comment les aider. Non, nous on dit il n'y a plus de marché, comment on peut faire alors qu'on sait qu'il y a une production, il y a des clients pour la production, c'est pas que plus personne ne veut l'acheter, mais on a un problème technique de comment alimenter, faire en sorte que la production puisse rencontrer le consommateur. Alors, on est en train de travailler avec une entreprise en étroite collaboration, et je peux vous dire, sans en dévoiler les détails, monsieur Fenderé, que d'ici 15 jours, nous aurons une application en ligne qui va permettre à ceux qui produisent et à ceux qui sont les consommateurs qui ont une demande, d'être livrés directement chez eux, ce qui va permettre de contourner le problème des marchés, puisqu'on n'a plus de marché pour écouler. Et donc la commande se fera sur Internet, sur téléphone,
Et automatiquement, dans la journée, avec une certaine rapidité, vous serez livré directement chez vous, avec tous les gestes barrières, c'est-à-dire les gants à plus d'un mètre. Donc on déposera la commande, vous l'aurez payé en ligne. Très bien. Et idem pour celui qui produit. On va avoir, donc vous avez compris, des livreurs qui vont tout simplement prendre là où il y a le lieu de production pour l'emmener au lieu de la consommation, c'est-à-dire chez l'habitant. Ça va permettre à des gens âgés qui ne peuvent pas se déplacer de pallier un problème de bus, puisque vous avez vu que même le transport public pose problème. Donc nous, on est dans la vraie vie pour apporter des vraies réponses concrètes aux entreprises et aux consommateurs. Donc le soutien de la CCI à la production locale, oui, c'est ça ? Oui, bien sûr. Et comment ça va s'articuler, tout ça ? Ben, écoutez, c'est très simple. Hein. Nous, on est des facilitateurs. Nous ne sommes pas... On ne va pas monter une entreprise. Mais je dis à tous les chefs d'entreprise, si vous avez une idée, aujourd'hui, tous ceux qui nous entendent et qui ont envie de construire quelque chose qui puisse aider à traverser la crise, sachez que la CCI est là pour vous accompagner, pour structurer. Ça veut dire qu'on aide ceux qui existent, mais on aide ceux qui peuvent nous aider à traverser la crise. Et donc, ça fait partie des choses qu'on fait. Mais bien sûr, la priorité pour nous va quand même à préserver l'existant. Je voudrais dire aux entrepreneurs, c'est difficile. Je voudrais dire à tous les salariés qu'on aura besoin d'eux. Probablement certains sacrifices, je le dis, je ne l'entends pas, mais je le dis, il y aura des sacrifices. On aura besoin des salariés et des entrepreneurs pour redémarrer le pays. Jamais, on portait sur les épaules des entrepreneurs et des salariés le fait que nous devons redémarrer pour recréer l'économie qui est totalement à l'arrêt, monsieur Fondéré, totalement. Il n'y a pas 10% des échanges et des commerces qui se fait à l'instant. C'est vous dire dans quelle situation nous sommes. C'est une catastrophe. Tout à fait. Vous êtes au contact évidemment des chefs d'entreprise quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? C'est le désespoir, monsieur Fondéré. Certains sont dans une situation où ils se demandent s'ils vont s'en sortir, si toute leur vie d'effort pour construire leur entreprise ne sera pas anéantie en quelques semaines. Je sens beaucoup de désespoir. Je vais être très honnête avec vous. J'aime pas dire ça parce que je veux pas donner une image des entrepreneurs qui sont déjà eux-mêmes très frappés, mais je peux pas dire que ça va. Il faut que je dise la vérité. Les chefs d'entreprise connaissent un moment probablement qu'ils n'ont jamais connu dans leur vie. Ils savent pas quand est-ce qu'ils vont redémarrer. Ils savent pas comment. Et ils ne savent pas comment traverser la crise. Ils entendent beaucoup de choses. Certains disent qu'il y a 300 milliards, ce ne sont que des garanties. D'autres disent qu'il faut donner une prime, j'ai entendu, défiscaliser. Ouais. Vous savez, donner une prime défiscalisée alors qu'on ne sait pas comment on va payer les salaires. On a l'impression d'un certain décalage quand même. Alors, ceux qui veulent encourager... Vous dites que c'est un non-sens. J'irai pas jusque-là, parce que si on peut encourager ceux qui travaillent et qui prennent des risques tous les jours, et franchement, je les félicite... Notamment dans la grande distribution. Dans la grande distribution, ouais. Vous savez, vous avez le choix... Excusez-moi, je vais être très pragmatique, comme tout le monde me connaît. Vous avez le choix de dire, je reste chez moi et je touche 84% de mon salaire, j'ai plein de choses à faire avec ma famille, ou je vais aller travailler et je vais toucher 16% de plus. Excusez-moi du peu, et notamment ceux qui sont dans les bas salaires proches du SMIC, ils toucheront la même chose, c'est-à-dire 100%. Il faut quand même une dose de courage, une dose de civisme, pour se dire que finalement le pays a besoin de moi, il faut que j'aille travailler, et donc je vais prendre un risque pour aller travailler, plutôt que de rester chez moi. C'est quand même pas une décision si facile que ça, donc je les félicite. C'est valable pour les soignants. Toutes les personnes aujourd'hui qui nous accueillent, qui vont accueillir ces patients qui auront le Covid-19. Il faut une dose de courage. Regardez ceux qui sont aujourd'hui, et vous les avez remerciés et leur souhaitez bon courage, dans l'administration du CHU. Tout le monde imagine bien que s'ils étaient restés chez eux, ils n'auraient pas eu de Covid-19. Tout le monde sait bien qu'il y a un risque. Alors beaucoup s'en sortiront, on le sait bien.
Mais vous savez, à un moment donné, quand beaucoup s'en sortiront, les seuls qui, malheureusement, n'y échapperont pas, on peut toujours se dire, est-ce que ça ne sera pas moi ? Oui. Patrick Vielcollet, le préfet, sur ce même plateau, samedi dernier, nous parlait de ce qui était mis en œuvre au niveau des autorités, de l'État, des finances publiques, pour permettre aux collectivités de payer les entreprises, le fameux 150 millions d'euros. Où en est-on dans cette affaire ? Alors, c'est une priorité des priorités. Je le répète, je sais que je m'adresse à peu de personnes, puisque je m'adresse essentiellement à tous les chefs des collectivités, donc maire, président de région, président de département, et l'État, pour ce qui est des créances de l'État. Il faut qu'on fasse tout pour éviter une crise de liquidité en payant les entreprises, en payant toutes les factures dues aux entreprises. Et j'ai envie de dire, échues ou pas échues. Dans mon administration à la Chambre de commerce, j'ai donné ordre au directeur général, avec le trésorier, de tout mettre son administration pour liquider toutes les factures. Je dis bien, monsieur Fenderé, même celles qui ne sont pas échues, nous allons les payer. C'est vous dire que ce que je dis, je le mets en exécution dans ma propre administration, c'est-à-dire à la CCI. Je veux montrer l'exemple. C'est prioritaire. Si c'est pas fait, on aura du mal à payer les salaires. Les salaires, j'ai envie de dire à tous ceux qui peuvent le faire, dans beaucoup d'administrations, dans beaucoup de mairies, le salaire est garanti. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a une certitude. J'ai bien vu que Sainte-Rose, il y avait eu quelques problèmes de retard, mais le personnel des fonctionnaires seront payés. Il n'en est pas de même. Il n'en est pas de même pour les entreprises privées qui sont à risque. Donc faites tout pour payer les entreprises, faites tout pour payer les factures. Vous payez avant tout les salaires de nos compatriotes. Très bien. Merci. Merci à vous, Patrick Vielcollet. Vous restez évidemment avec nous, puisque vous êtes notre invité fil rouge aujourd'hui. Nous avons en ligne la présidente du conseil départemental, Josette Borel-Lincertin. Bonjour, présidente. Oui, bonjour. Bonjour à la Guadeloupe. Merci d'être en direct avec nous. Évidemment, vous êtes protégée, hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas en plateau, et on le comprend bien. Il faut que vous puissiez vous préserver. D'abord, présidente, vous intervenez également en qualité de présidente du conseil de surveillance du centre hospitalier de Guadeloupe. Avez-vous des nouvelles de vos cadres, des trois cadres et pas des moindres, touchés par ce virus depuis hier ? Auprès des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes. Donc, leur dire que nous avons deux directeurs adjoints et le conseil de surveillance. Nous sommes vigilants et nous continuerons à être sur le pont. Que dites-vous au personnel soignant, madame la présidente ? On vous entend très bien, nous. Quel est votre message ce matin pour le personnel soignant ? Respectueux de ce dévouement, de ce don de soi. Et quand on regarde
qu'il soit, je dirais, en bonne santé. Qu'il soit aussi, qu'ils sachent aussi que nous respectons pour effectuer bien leur métier. Très bien. Présidente, à la suite du dernier conseil de surveillance du CHU, vous aviez demandé avec le président Chalus au gouvernement des respirateurs et des masques pour la Guadeloupe. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je n'ai pas pour l'instant, j'ai entendu madame la directrice de l'ARS dire qu'elle avait demandé. Je n'ai pas encore eu de contact avec elle pour savoir si nous aurons bientôt ces respirateurs et ces masques. Je travaille, je le répète, je travaille en toute confiance avec le président de région, j'ai eu aussi le président de Cap Excellence, monsieur le préfet, nous avons eu un échange il y a quelques jours. Je pense que c'est ensemble que nous pourrons gagner et j'espère bien que nous avons été entendus. Quant à moi, je me mobilise beaucoup parce que nous savons qu'il faut protéger ceux qui vont au contact, ceux qui ont besoin de ces masques-là. Le plus urgent, je crois que c'était ça, comment faire en sorte que ces personnels soignants soient équipés, le mieux équipés pour pouvoir soigner, mais pouvoir se protéger, pour pouvoir éviter qu'ils ne soient contaminés. Parce que nous voyons bien que déjà, en France métropolitaine, nous voyons bien que les décès de médecins nous interpellent. C'est un choc pour nous. Donc nous devons tout faire pour que ces personnes soient équipées, soient en confiance, parce que nous faisons tout pour qu'ils soient équipés du mieux possible, et c'est ce que je fais. Très bien. D'ailleurs, vous avez fourni des équipements de protection aux services d'aide et d'accompagnement à domicile depuis Absolument. Quelques jours. Je crois qu'on ne mesure pas. Nous avons 1715 travailleurs. Je les appelle les travailleurs de l'ombre. Ce sont ces agents qui sont dans 77 services que nous finançons, nous, conseil départemental, et qui couvrent tout le territoire. Ils font 4000 interventions jour. Donc cela veut dire qu'ils sont au contact. Ils vont faire la toilette. Ils vont aider au repas. Ils font faire les courses parfois. Nous devions les protéger. Donc j'ai distribué déjà 20 000 masques à ces personnes pour pouvoir leur permettre de faire ce travail de contact. Et nous avons aussi reçu d'ailleurs, alors c'est vrai que nous avions ce que j'appelle un stock stratégique de masques, mais nous avons pu aussi avoir 3200 masques de l'ARS. Donc nous avons, je dirais, pu permettre à ces personnes d'être protégées en allant au contact de ces personnes âgées, de ces personnes isolées, de ces personnes seules. Donc là aussi, je continue, puisque nous sommes en attente de pouvoir continuer à équiper, continuer. Je vais passer certainement une commande de masques pour vraiment permettre à ces soignants et à ces personnes qui sont dans les EHPAD. Là aussi, je crois que nous avons aussi équipé nos EHPAD. Il faut obligatoirement se dire que nous devons obligatoirement être dans l'action. Et quand on me parle, je suis chez moi, mais je dis, moi je ne commente pas ce qui se passe. Je suis dans l'action. Il faut obligatoirement que nous puissions tous ensemble, je dis bien tous ensemble, essayer de dire nous apportons non pas notre pierre à l'édifice. Je vais reprendre le mot que le président a envoyé, la guerre. Nous sommes en guerre. Et cette guerre-là, il faut que nous soyons tous conscients que nous sommes sur le même bateau et que nous devons éviter que nous soyons, même les vues divergentes que nous pourrions avoir, eh bien nous les gardons pour l'après. Parce que si un seul maillon est faible, si un seul maillon doute, eh bien nous n'allons pas gagner cette guerre-là. Donc je voudrais dire à la Guadeloupe aussi, à travers vous, mais que nous essayons de tout faire pour que nos soignants, pour que ceux qui sont obligés d'être là, ils ont des familles. Mais les 1715, je leur dis, à travers vous aussi, je leur dis bravo, comme je le dis à tout le personnel, je dirais le personnel soignant, mais à tous ceux qui cuisinent, qui sont dans les hôpitaux et qui donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes pour que nous puissions, nous, être debout et que je puisse, moi, confiner, mais répondre à vos questions. Présidente, évidemment, on a une pensée et beaucoup d'affection pour nos papis, nos mamies, nos personnes âgées. Absolument. Je crois que ça c'est...
dit, vous n'aurez pas de visite. Et donc le personnel qui est dans les EHPAD doit aussi trouver le moyen de remplacer ses petits-enfants, ses enfants qui viennent, ses compagnons qui viennent, ses compagnes qui viennent, parce qu'il y a aussi cela. Donc nous devons tout faire, premièrement pour les rassurer, pour leur dire qu'on continue à être présent, pour leur dire qu'on peut leur porter un tout petit peu d'amour, un sourire. Donc ces personnes qui n'ont pas, je dirais, nous ne pouvons pas nous permettre, nous, nous ne pouvons pas nous permettre, je dirais, leur donner un tout petit brin d'amour dans cette difficulté, grave difficulté que nous traversons. Et dans cette crise, présidente, vous, les élus, vous avez plutôt besoin du soutien et non de l'inverse, hein? Ah oui, absolument. Je crois que nous avons besoin aussi de... Beaucoup de critiques à l'égard des élus. Beaucoup de critiques. Trop de critiques, peut-être? Je pense que la critique, moi, je dis, je ne commente pas. Je refuse de commenter actuellement tout ce qui se dit, tout ce qui se passe. Je crois que chacun, dans son action, dans ce qu'il souhaite, dans les propositions, apporte quelque chose. Je dirais, nous aurons bien le temps de nous chamailler et de dire qui a fait, qui n'a pas fait. Mais je crois que moi, je peux dire, actuellement, dès lundi dernier, j'ai réuni la cellule de crise et bien sûr, nous avons un plan, nous avons organisé les services, mais je peux me permettre de dire, je suis fière d'être présidente du Conseil départemental, fière de ces personnes qui, malgré tout, restent chez elles pour certains, mais viennent aussi au bureau, essayent de nous travaillons en permanence à trouver des solutions. Comment agir? Comment ne pas faire telle ou telle chose? Comment aider? Comment accompagner? Et je pense que c'est ce lien-là que nous devons avoir avec nos personnels. C'est ce lien-là aussi que nous devons continuer à avoir par le biais de ceux qui interviennent sur le terrain, que nous devons avoir. Je ne crois pas que le temps est à la critique. Le temps est à trouver des solutions. Et les solutions, nous essayons de les trouver ensemble. Par exemple, quand j'ai proposé à Monsieur le Président de Région le courrier que nous avons envoyé et signé ensemble, je crois que c'était montré aussi que les élus que nous sommes, nous pouvons en dehors de nos appartenances. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la Guadeloupe, c'est le monde. Nous avons des enfants, nous avons des parents ailleurs. C'est le monde qui est en difficulté et je crois que nous aurons, je dirais, suffisamment de temps après, si nous nous en sortons, pour nous chamailler et pour, chercher les coupables ou pas coupables. Aujourd'hui, la guerre que nous menons exige de nous, Guadeloupéens, que nous soyons ensemble, exige de nous, que nous demandions à nos compatriotes, ceux qui prient, qu'ils prient, ceux qui aiment lire, qu'ils lisent, ceux qui aussi aiment, pensent que... En restant, je dirais, en faisant autre chose, ils participent aussi, je dirais, il y a tellement de choses à faire, tellement de petites choses que chacun, le thé, la tisane, je dirais que nous pouvons essayer d'oublier ce que nous sommes un moment et puis dire que nous devons tout mettre ensemble pour réussir et gagner cette guerre-là. Nous devons la gagner. Nous devons la gagner pour que les générations futures puissent quand même trouver une Guadeloupe un peu plus solidaire. Vous voyez, je dis souvent que le conseil départemental, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Cette solidarité qui a disparu ou qui a tendance à disparaître en Guadeloupe. Essayons de faire en sorte qu'on retrouve une voisine, même si c'est à travers, une clôture. Passe un petit peu de soupe, pourquoi pas, à une voisine qui est seule. Même si nous venons, les agents viennent. Mais on a besoin de savoir qu'à côté, il y a une personne âgée. Il y a aussi, peut-être nous avons fait un gâteau, il y a la voisine qui a des enfants passer un gâteau. Je crois qu'il y a des petites choses que nous devons faire pour retrouver, ce sentiment de solidarité, cet amour de l'autre qui a fait que nous avons vécu. On a eu beaucoup, on a gagné des guerres, on en a
en aura d'autres guerres à gagner. Eh bien, celle-là, il faut la gagner ensemble avec le sentiment que nous devons apporter notre pierre à cette construction-là, à cette participation-là. Très bien. Présidente, l'urgence, hein, on l'a dit, ce sont les masques. Vous avez déjà équipé le CHU et le CHBT de 12 000 de ces masques. Il faut aller encore plus loin. C'est ça la priorité. Nous avons 12 000 masques et le route de Guadeloupe avait 1 600, mais nous les avons donnés. Aujourd'hui, nous avons remis les 400 masques, les 4 000 masques au CHBT. Nous en avions donné déjà 8 000 au CHU. Il y a 1 600 de route de Guadeloupe qui viendront, je dirais, compléter ce que nous avons donné parce que je crois que c'est important de participer. Et chaque fois que l'on peut, il y a certainement dans des entreprises, il y a certainement des pharmaciens qui ont des masques, qui vont donner des masques pour protéger ceux qui nous soignent, ceux qui sont en première ligne. Et dans la foulée d'ailleurs, d'ici entre aujourd'hui et demain, je commanderai des masques. Il faut un peu être sûr que ces masques-là arriveront et pourront être acheminés. Voilà le sujet qui me préoccupe, comment faire commander, comment les faire acheminer le plus rapidement possible, puisque nous savons, et je le répète, le pic n'a pas encore atteint la Guadeloupe, nous l'aurons. Nous avons vu aussi une analyse, l'analyse faite par le sénateur Lurel, ce n'est pas, c'est la réalité qui risque de nous toucher la semaine prochaine. Donc nous devons pouvoir, sans effrayer, mais avec toute la volonté, la rigueur et le respect, je crois qu'on ne dit pas n'importe quoi. Nous essayons de faire en sorte qu'on accompagne au mieux. Donc je ferai tout, comme je l'ai dit, je suis dans l'action et toujours à me demander qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Les services me connaissent, nous nous appelons tôt le matin, tard le soir, mais chacun essaye de réfléchir, de porter sa pierre. Et les gens qui m'appellent, je prends aussi, je dirais, tout ce qu'on me propose, j'essaie d'analyser et de se dire que dans ce qu'on propose, dans les suggestions, même dans les critiques, il faut trouver ce qui vous permettra de dire, on fait pour le mieux, on a tout essayé. Et je pense qu'il faut tout essayer. Je pense, par exemple, à la chloroquine. Ben, nous avions demandé à ce que ça soit prescrit et utilisé au CHU. C'est fait. On y mettra, je dirais, on prendra les mesures qu'il faut, on les distribuera. Très bien. Dans des conditions, les médecins sont bien passés, ce sont des gens sur lesquels on peut compter, donc je crois que tout est fait actuellement pour que nous soyons, prêts pour affronter le pic. C'est vrai que nous risquons, on peut être débordés, nous ne savons pas, mais je crois que dans nos têtes, je crois qu'il faut que nous puissions faire passer le message, restez chez vous, protégez-vous, protégez ce que vous aimez, protégez aussi ceux qui se dévouent et qui s'exposent pour que nous puissions, être soignés convenablement. Merci, présidente Josette Borel, incertain d'avoir été en direct avec nous sur ETV et EFM RTL. Je voudrais encore dire, j'ai entendu tout à l'heure, Monsieur Vialcolé, nous nous appelons appel, mais je crois que et la région et l'État, c'est ensemble que nous pouvons, parce que c'est vrai que si nous ne prenons garde, c'est le conseil départemental qui après recevra, puisque nous aurons à servir le RSA à côté du chômage ou en dehors du chômage. Donc je crois qu'on ne peut pas ne pas être ensemble pour faire face maintenant et après. Merci, présidente. Merci encore. Merci beaucoup. On l'est, présidente. On l'est plus que jamais. Chacun, on doit compter sur notre responsabilité, les uns les autres, et faire en sorte qu'on traverse cette crise. Je voudrais dire ceci après peut-être la déclaration de la présidente. Moi, j'ai été choqué d'entendre le président de la République dire six fois, nous sommes en guerre.
Et quelque part, je vous avoue que je me disais, mais nous sommes en guerre. 6 fois, ça fait beaucoup. Mm-hmm. Mais moi, j'aime pas dire nous sommes en guerre. C'est la guerre. Et nous sommes au combat. C'est pas tout à fait la même chose. Et les guerriers que nous sommes, nous devons être disciplinés, c'est-à-dire pas sortir inutilement, faire respecter les consignes, et pour ceux qui doivent aller au travail, le faire. C'est comme ça. On voit bien, les Chinois, s'ils sont sortis plus rapidement que les autres, c'est parce que justement, il y avait de la discipline, de la citoyenneté, on respectait les choses et on était au combat comme des guerriers. Donc c'est la guerre, mais nous ne sommes pas en guerre. Très bien, nous partons standard de TV, EFM, RTL, Guadeloupe, 32 80 81, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne, bonjour, monsieur, madame. Bien. Allô ? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je voudrais dire 2 mots juste pour vous dire. Je vous félicite d'ailleurs de votre intervention pour nous permettre de nous afficher et de dire ce qu'on pense. Mais par contre, je voudrais aussi remercier madame Borel Lincertain, remercier le préfet et madame la directrice de la ARS. Je pense que le Guadeloupéen n'est pas assez consciencieux. Ils sont toujours là pour critiquer. Malheureusement, la critique n'amène à nulle part. Ma mère disait que la critique permet d'avancer. Alors arrêtez de faire des cancans. Arrêtez, peuple. Vous voulez l'indépendance de quoi? Pour manger des feuilles d'arbre? Vous n'êtes pas fichu de prendre vos responsabilités? Arrêtez. Avant de demander l'indépendance, commencez par prendre vos responsabilités. Vous avez des couturières. Faites vos masques. J'ai vu dans les régions de France quand les gens font les masques. Alors arrêtez de quémander. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Arrêtez. Merci madame, c'est votre point de vue, on le respecte. Et donc c'est le sens d'ailleurs de cette émission, de cette édition spéciale quotidienne, de vous permettre de vous exprimer dans le respect évidemment, et la courtoisie. Patrick Vialcoulet, la présidente du conseil départemental, le disait à l'instant, vraiment, il est important dans ces situations, plus encore dans ces situations, de faire bloc ensemble. Ben déjà, c'est difficile. Alors, si on se divise, on n'a aucune chance. Mais je voudrais quand même dire aux Guadeloupéens, pour moi, il n'y a pas une image de division. Je ne la ressens pas, en tout cas, en ce qui me concerne. Je sens plutôt un rassemblement. Jamais je n'ai parlé aussi souvent à la présidente du département, au président de région, au préfet, au sous-préfet, à toutes les autorités du pays, tout simplement pour voir comment on pouvait aider les entreprises à traverser la crise, que le plus grand nombre reste en vie pour redémarrer. Donc il y a peut-être ici et là, parce qu'on est en période politique, vous savez, il y a des élections, donc peut-être qu'il y a quelques petits règlements de compte, mais je ne les perçois pas, excusez-moi, hein, je suis plus dans la vie économique que dans la vie politique, donc je ne les perçois pas. J'ai vu que les élections des maires sont reportées à plus tard, que le deuxième tour est reporté à plus tard, pour une simple raison. Nous devons, à cet instant, M. Fenderi, concentrer toutes nos énergies pour mener la guerre contre ce virus. C'est aussi simple que ça. Et de notre capacité de résistance, notre capacité à mener ce combat, eh bien, on sortira plus vite et en meilleur état. Très bien. On apprend à l'instant donc, on a reçu un communiqué de l'ARS qui informe de l'ouverture de la plateforme téléphonique Riposte Covid-19, donc l'agence régionale de santé, informe que la plateforme Riposte Covid-19 met en place un dispositif d'aide et de soutien médico-psychologique disponible pour les professionnels de santé hospitaliers publics et privés, les professionnels libéraux également, les professionnels de structures médico-sociales et la population en général. Et les personnes peuvent donc appeler cette cellule, cette plateforme Riposte au numéro unique 05 90 99 14 74, numéro unique, je le répète, 05 90 99 14 74, donc la plateforme Riposte Covid-19 mise en place par l'ARS.
Vous avez également un numéro de plateforme d'appui au niveau économique, Patrick Vialon. Oui, je ne l'ai malheureusement pas en tête, parce qu'en ce moment, j'ai tellement de choses, mais s'il est affiché à l'écran, c'est parfait. Je voudrais vous dire qu'il y a certaines CCI, puisque en plus, on se réunit avec, par conférence téléphonique tous les présidents de CCI de France. Il y a au moins deux régions de France, que je ne citerai pas parce que je ne souhaite pas le faire, où il y a déjà une cellule ouverte pour les chefs d'entreprise qui sont déjà un peu perdus et qui ont quelques signes inquiétants de comportement. Et donc, une cellule qui est là pour prendre leur appel, essayer de les ramener et de leur dire que c'est pas la fin. Hein, donc on a quand même des chefs d'entreprise, je voudrais le dire, parce que on n'imagine pas ça, mais les chefs d'entreprise, ils n'ont aucune garantie, la recette c'est zéro. Hein. Mm-hmm. Je ne veux pas mettre par opposition à nos salariés qui ont une garantie de 84% de leurs revenus, mais certaines entreprises se disent mieux vaut que j'arrête tout, parce que en fin de compte, ils ne vont peut-être pas mourir du Covid, mais ils vont mourir quand même. Ouais. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Vous êtes, vous l'avez dit, en contact quotidien, plusieurs fois par jour, avec le préfet, les présidents de collectivités. Il s'agit de gérer cela au quotidien et vraiment d'être au fait des choses. Il n'y a pas de jour où on ne se parle pas. Mm-hmm. Il n'y a pas de jour où on ne s'écrit pas de messages. Et il n'y a pas de jour où on ne se communique pas notre inquiétude. Mais ça, c'est normal. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on apporte des réponses. Parce que dans une crise, il y a ceux qui sont leaders, c'est-à-dire ceux qui ont des responsabilités pour sortir de la crise. Et les quatre acteurs que je viens de nommer, le préfet, le président de région, la présidente du département et le président de la SCCI, nous avons des responsabilités. Si nous baissons les bras, si on ne s'harmonise pas, si on ne fait pas les choses ensemble, ça va être plus difficile. Ouais. Et pour l'instant, je peux vous dire que, honnêtement, pour moi, avec tous ces partenaires, je salue la qualité de nos échanges, la franchise de nos échanges, pour essayer de trouver les solutions les plus adéquates. Et peut-être au risque de me répéter, nous, notre priorité, c'est les salaires du mois de mars. Vous imaginez si à cette crise sanitaire, une crise économique, mais après une crise sociale. Donc alors là, je crains le pire. Et la crise sociale, c'est quoi? C'est un moment donné où des salariés ne pourront pas avoir de revenus pour nourrir leur famille. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, on est dans une situation où on peut se raccrocher à rien. Et nous devons tout faire pour éviter ça. Parce que je crains le pire. Je sens bien qu'il y a des entreprises qui ne pourront pas le faire. La question, ce n'est pas de se dire ils ne peuvent pas le faire. Pourquoi ? C'est de se dire comment on peut faire puisqu'ils ne peuvent pas le faire. Très bien. 331 PV dressés le week-end dernier. Il faut intensifier les contrôles. Moi, je pense qu'il faut surtout que les Guadeloupéens comprennent qu'on a une méthode pour lutter contre le virus. Cette méthode, elle est simple. Les gestes barrières, je vais finir par plus les rappeler parce que j'ai déjà dit ça 20 fois. Et puis, bon, limiter leur déplacement à l'essentiel. Avoir les documents nécessaires, parce que je rappelle que ceux qui ont été verbalisés, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les bons documents. Mmh. Parce qu'autrement, on peut aller travailler, on doit même aller travailler. Ça m'étonnerait qu'ils aient verbalisé du personnel des CHU ou des personnels qui allaient travailler. Maintenant, bon, il faut mettre entre parenthèses les loisirs. Ce que je peux dire aux Guadeloupéens, exercice, oui. Bouger, oui. Parce que si on ne bouge pas, la sédentarité, c'est mauvais. Mais il faut mettre en parenthèse notre vie qui consiste à faire des choses qu'on aimait bien auparavant, c'est-à-dire le loisir, pendant, à mon avis, une quarantaine de jours, c'est un peu mis en parenthèse. Très bien. Merci à vous, Patrick Vialcollet, d'avoir été notre invité dans cette édition spéciale. Merci de nous avoir fait l'amitié d'être sur ce plateau et de nous avoir accordé de votre temps. On se souhaite du courage. Oui, il faut. On va y arriver. On va gagner. On va s'en sortir. Je voudrais saluer Monsieur Fenderé. Permettez-moi de le faire. L'extrême courage de tous ceux, des journalistes, des télévisions, des médias, qui font un travail considérable sur le terrain, parce qu'on oublie souvent de se dire, vous voyez, on se protège, mais il faut venir sur ces plateaux, j'y suis. Mmh.
il faut être dans la rue à faire des films, à faire des reportages pour montrer ce qui s'y passe. Il faut conforter la population dans toutes les questions qui sont posées. Et donc, je voudrais m'adresser à tous les médias en disant que vous faites un travail remarquable dans cette période qui est extrêmement difficile. Et je pense que les Guadeloupéens l'apprécient. Merci. Merci, Président Patrick Vialcolet, d'être venu jusqu'à nous. Merci encore. Nous poursuivons donc notre édition spéciale, deuxième heure, et nous allons prendre de suite des nouvelles de notre chère collègue Christine Kelly, que nous appelons à Paris. Bonjour Christine. Oui, bonjour Thierry, j'entends très très mal. Hein, mais ça va s'arranger, on vous entend très bien. Christine Kelly, donc présentatrice hein, sur ETV, également sur CNews, et donc présentatrice de Face à l'info sur CNews, que chacun connaît ici comme partout en France. Et donc Christine Kelly, vous êtes empêchée depuis hier de présenter votre émission quotidienne parce que vous êtes confinée. Que se passe-t-il ? Oui, voilà, plus que confinement, une quarantaine, parce que c'est vrai que tout le monde, il y a maintenant 2,5 milliards de personnes qui sont confinées, mais là, je suis en quarantaine et je n'ai aucun contact avec personne, et parce que j'ai rencontré un proche, un de mes proches, a le coronavirus, il est même hospitalisé. Donc, par mesure de précaution, il vaut mieux ne pas aller à la rédaction. Je viens d'entendre parler d'un collègue qui salue le travail des journalistes. Le travail des journalistes, c'est un travail difficile en ce moment, un travail où il faut faire face, surmonter ses peurs, surmonter ses craintes, surmonter le coronavirus. Et je trouve que ça serait quand même malheureux et maladroit, voire non professionnel de ma part, d'aller sur les lieux d'une rédaction et éventuellement avoir peut-être la possibilité de contaminer tous mes collègues. Mmh. Donc dans ce même si... Oui. Tout le monde est à au moins un mètre d'intervalle, tout le monde a toutes les précautions qu'il faut, mais si on sait qu'on a, enfin, ça a été fait par d'autres personnes hein, qui sont dans la rédaction, un qui revenait d'Italie qui a été mis en quarantaine, voilà, il y en a qui sont régulièrement mis en quarantaine, l'équipe de Touche pas à mon poste a été aussi mise en quarantaine parce qu'ils ont invité une personne sur leur plateau qui a déclaré après qu'il était atteint du coronavirus. Donc en fait, on essaie de jouer le jeu du respect de l'autre et de se protéger tout en étant confiné, voire plus en quarantaine. Oui. Et comment vivez-vous cette situation depuis hier ? Alors en fait, déjà, il y avait déjà le confinement, donc c'est-à-dire que je ne sortais que pour aller travailler, et pour aller à CNews et revenir éventuellement faire des courses. Et puis là, c'est ne plus travailler du tout. Donc je suis très contente que ce soit Pascal Fronc qui ait repris le flambeau et qui m'a appelé ce matin, j'ai eu la direction aussi de CNews, qui m'a appelé hier aujourd'hui, la direction Canal+. Pascal Proulx, le directeur de la formation, enfin tout le monde m'appelle pour me prendre de mes nouvelles et pour me faire connaître leur sympathie, quoi. Donc c'est vraiment très 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 gentil, très agréable. J'ai reçu beaucoup de messages, SMS, réseaux sociaux, etc. Je m'excuse auprès de tous ceux auxquels j'ai pas pu répondre parce que c'est pas évident de répondre à tout le monde. Petit à petit, je prends le temps de répondre, mais j'ai pas encore pu répondre à tout le monde. Merci en tout cas à tous, à tous le soutien. Après, je me suis dit qu'il y a une seule chose, et c'était les conseils que je voulais donner, puisque Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a fait un guide des parents pour le confinement. Je n'ai pas eu le temps de faire toute ma partie, mais elle l'a sous la main sur la partie pour les familles monoparentales, parce que j'ai une association, elle m'avait demandé de l'aider à ce niveau-là. Et je vais m'appliquer ce que je voulais lui proposer, c'est-à-dire que le maître mot pour toute personne qui est en confinement et toute personne qui est en quarantaine et toute famille monoparentale ou bien nombreuse ou pas, c'est l'organisation, le planning, planifier. Donc là, c'est ma première journée où je suis en train de préparer avec tout ce que j'ai à faire et tout ce que je vais faire pendant les 15 jours qui viennent. Organiser ma journée, ma matinée, etc. Prendre le soin de me préparer, de prendre soin de moi. Voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de pire dans le confinement, bien dans la quarantaine, qu'on se laisse aller et puis qu'on reste en pyjama toute la journée. C'est facile, on a envie de faire ça, mais c'est bon pour le moral de se lever, de se pouponner, de se coiffer. Même ma fille, elle a par exemple de l'école à distance.
Et tous les matins, elle s'installe derrière son bureau. Donc pareil pour moi, je m'installe derrière mon bureau, je travaille, je lis, je m'organise. Et voilà, donc je suis en train de faire mon plan pour mes... pour mon confinement, afin qu'il puisse bien se passer, bien se dérouler. Ce qui est très important surtout, c'est que le confinement, la quarantaine, c'est une privation de liberté. Mais en tout cas, le cerveau, lui, n'est jamais confiné. Avec le cerveau, on peut aller très très loin et faire tellement de choses, et c'est ce qui est formidable. Également ici au Standard de TV pour prendre de vos nouvelles depuis hier, et donc il s'agit aussi de rassurer nos téléspectateurs et auditeurs. Oui, oui, tout à fait. Je remercie tous ceux qui ont appelé. Tous ceux qui ont cherché à avoir de nouvelles. C'est adorable. Merci beaucoup à tous. Je pense à tout le monde. Je pense à toute la Guadeloupe. Je pense à toute ma famille qui est là-bas, qui m'a appelé aussi pour avoir de nouvelles. Merci beaucoup à eux. Et à tous ceux qui sont malades, en confinement, en quarantaine. J'en connais aussi qui sont en quarantaine en Guadeloupe. Je connais qui sont malades aussi en Guadeloupe. Donc, vraiment, big force à tout le monde. Big force, on est sur le même bateau. Et, pas du tout, mais le même bateau. En tout cas, on espère qu'il va arriver à bon port. Et donc, vraiment, big force à tout le monde dans ce moment particulièrement difficile où les fake news, le doute, laissent proie à la véritable information, malheureusement. Et il faut vraiment qu'on soit tous ensemble pour gagner ce combat. Très bien. Merci. Merci à vous, Christine, d'avoir répondu en direct à nos questions et de nous avoir fait l'amitié de nous dire ces quelques mots pour rassurer tout un chacun. Un dernier mot. Oui, allez-y. Pardon, à vous, Thierry. Merci beaucoup d'assumer l'antenne. Un dernier mot à Mario Moradel. Merci beaucoup à ce président qui travaille d'arrache-pied pour informer. Merci beaucoup à toute l'équipe de ETV qui m'a accueilli depuis 2 ans maintenant et qui, même de chez eux, même là où ils sont, s'organisent pour vraiment tenir l'antenne comme ils peuvent, même à distance. Et vraiment, c'est dans les moments difficiles qu'on voit la valeur d'une équipe. Et je dis vraiment chapeau bas à l'équipe de TV. Merci encore. Merci à vous, Christine Kelly, pour ces mots. Et prenez soin de vous. Nous allons donc poursuivre, nous entrons dans la deuxième heure de cette édition spéciale. Et donc, nous allons continuer à prendre vos appels, hein, si vous le souhaitez. Vous nous appelez au 05 90 32 80 80. Et donc, vous pourrez passer à l'antenne, nous dire comment vous vivez cette fin de confinement et ces restrictions qui nous sont imposées et qui sont nécessaires pour combattre efficacement et ensemble le coronavirus, cette épidémie qui nous touche et qui concerne, hélas, de plus en plus de Guadeloupéens. Nous devrions avoir, d'ici à la fin de cette émission, le dernier point de l'ARS pour nous donner des éléments sur l'évolution de cette épidémie à l'échelle de notre archipel. Et donc, nous attendons ce point de situation quotidien de l'ARS. L'ARS qui, je le rappelle, a informé donc de la mise en place de sa plateforme Riposte Covid-19. Donc, une plateforme mise en place, une plateforme d'aide et de soutien médico-psychologique disponible pour les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers, publics et privés. Également pour les professionnels libéraux, les professionnels des structures médico-sociales, à l'adresse aussi de la population générale, des personnes confinées et leurs personnes contacts. Et donc, ce dispositif est joignable au 05 90 99 14 74 et est opérationnel de 8h à 18h à compter de ce jour pour avoir l'écoute nécessaire en pareille circonstance. Nous avons en ligne à présent Franck Lasserre du syndicat des ambulanciers de la Guadeloupe. Bonjour, monsieur Lasserre. Franck Lasserre, vous nous entendez ? Alors, est-ce que nous avons Franck Lasserre en ligne ? Bonjour, monsieur Lasserre. Oui, bonjour. Oui, allô ? On vous entend très bien. Vous êtes en direct sur ETV et EFM RTL Guadeloupe. Oui. Vous m'entendez là ? C'est bon ? Ça va, oui. Très bien. Comment les ambulanciers gèrent cette période que nous vivons ? Bah, écoutez, nous sommes, le président a dit que nous sommes en guerre, nous sommes sur le front. Et donc, par conséquent, nous nous sommes organisés.
et nous continuons à le faire parce que, bien sûr, nous allons, en fonction de l'évolution de ce virus, pour tout vous dire, nous sommes en relation directe, comme l'a dit tout à l'heure aussi bien le président de la CCI, en contact perpétuel avec l'ARS, avec tous les services de commandement, j'allais dire, hein, puisque nous sommes en guerre, notamment le SAMU, qui gère nos interventions. Et aujourd'hui, nous sommes prêts, ou quasi prêts, à faire face à cette invasion épidémique qui va faire que beaucoup de Guadeloupéens vont probablement être touchés. Et donc, par conséquent, nous nous préparons à être sur le front pour pouvoir rendre le service qui est le nôtre. Hein, et nous sommes ambulanciers. Donc, par conséquent, notre mission, c'est de secourir. Eh bien, nous allons le faire avec les moyens qui sont les nôtres. Je vous rappelle que nous n'avons pas tous les moyens qu'il faut pour pouvoir être efficaces. Oui, et ces moyens qui vous manquent, ben ce sont les masques. C'est quoi précisément? Oui, Franck Lasserre? Allô? Oui, oui, on vous entend. Oui. Vous parliez de... Alors, oui. Je vous disais que nous sommes en relation perpétuelle continuelle avec l'ARS, et nous avons eu notre déjet du stock d'État de 4300 masques. Sachez que nous sommes 43 entreprises, ça fait 100 masques par entreprise. Et selon les dires même de notre donneur d'ordre qui est le SAMU, on en a pour à peu près une semaine. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, il faut déjà que nous ayons d'autres masques. Mais vous savez que intervenir sur le Covid-19, ce n'est pas uniquement des masques. C'est aussi des lunettes, oui. Charlotte, c'est des surblouses, c'est des sous-chaussures, bien sûr des gants. Et puis c'est toute une tout un protocole d'intervention qui n'est pas du tout le quotidien de nos salariés. Donc il a fallu reprendre les salariés et les mettre dans une condition d'urgence pour faire attention à eux, à leur famille par conséquent, et aussi à ceux pour lesquels nous faisons les interventions. Et donc le métier, dans cette période de crise, le métier change, mais nous faisons face. Nous sommes bien soutenus, j'avoue, par le SAMU et nous essayons de mener en tout cas de mission à bien. Très bien. Et donc, vous êtes en train de nous dire que vous gérez, mais vous manquez un petit peu de tout, quoi. Vous dites qu'on manque de tout. Oui. Vous gérez la situation, mais bon, c'est compliqué. Alors, il faut savoir qu'une entreprise sanitaire, au départ, a un certain nombre d'équipements. Et dans ces équipements, nous avons un certain nombre de kits pour faire de tout ce qui est épidémiologique, tout ce qui est épidémie, mais nous en avons un nombre restreint, parce que vous allez faire un malade infectieux, vous avez une intervention comme ça, 3-4 fois, disons 10 fois dans l'année, donc vous êtes équipé un kit où il y a tout ça, il y a les masques, il y a les gants, c'est un kit qui est prévu à cet effet. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il en faut beaucoup par jour, parce que tout le monde est présumé être Covid-19, donc c'est la même conduite à tenir, que ce soit suspicion ou avéré. Donc ça veut dire que nous devons avoir des équipements. Quand nous arrivons chez un patient, quel qu'il soit, il faut d'abord lui mettre un masque. Oui. Pour commencer, il faut lui mettre un masque. Ce masque-là, il faut l'avoir. Nous n'en avons plus. Aujourd'hui, nous n'avons plus équipé nos équipages, mais à domicile, quand nous arrivons chez les patients, nous sommes démunis. Donc vous voyez que si nous n'arrivons pas à avoir le matériel, nous n'arrivons pas à arrêter ce virus. C'est à tous les étages, il faut absolument que c'est une chaîne. Et je profite pour vous dire que nous sommes le premier maillon de cette chaîne. Parce que vous savez que la téléconsultation peut se faire à distance, oui. Mais s'il s'agit de ramener le patient à l'hôpital ou à la clinique ou de ce point X, eh bien, il faut aller à domicile récupérer ce patient. Et dès l'arrivée, dès le départ d'ailleurs, il faut observer un protocole de désinfection et de tenue. Et arriver au domicile du patient, il y a encore un autre protocole qui veut que déjà le patient soit équipé de masque. Donc, vous voyez que nous sommes bien loin d'optimiser, d'arriver à un parfait fonctionnement pour que nous puissions arrêter ce virus. Oui. Mais
c'est vrai qu'on ne va pas se plaindre, on n'est pas là pour pleurer. Et nous, les ambulanciers, je profite pour remercier et féliciter tous ceux qui interviennent. Nous sommes des courageux, et bien nous y allons avec le minimum, un masque, des gants, pour ceux qui en ont des surplus. Alors donc, voilà où on en est, et c'est compliqué. Oui, les ambulanciers, donc en première ligne, et ça, vous l'assumez avec courage. Quel est le moral de vos salariés, de ceux qui vous accompagnent et de vos collègues? Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore au haut de cette épidémie. Donc pour l'instant, c'est une montée en charge que nous gérons, tant en termes de personnel qu'en termes de moyens, parce que vous rappelez que les entreprises sont dotées d'un certain nombre de moyens au départ, avant le Covid-19, mais jusqu'à quand nous ne savons pas. Le moral, ça va parce que nous ne sommes pas submergés d'appels Covid non plus. Mm-hmm. Donc, je peux vous assurer que si, comme le prévoit le SAMI, nous avons une montée comme nous attendons, et bien les choses seront très compliquées, très compliquées. Que ce soit l'hôpital, la clinique, ou quel que soit le point de ralliement que nous aurons à rallier, mais en termes de personnel et de matériel, nous risquons d'être surpris. Donc c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai adressé un courrier à Mme Denux, et je lui ai fait part du matériel manquant pour pouvoir faire ces interventions. Donc je lui ai listé, je lui ai même chiffré ce qu'il nous faut. Mais nous pouvons tenir une semaine, nous ne tiendrons pas deux, sachant que nous serons au front pendant au minimum 2 mois. Donc je vous laisse faire le décompte et l'urgence d'avoir ce matériel. Mmh. Vous nous disiez il y a quelques instants qu'il y a 43 entreprises, 43 sociétés d'ambulanciers en Guadeloupe, c'est ça? Alors, dans les 43, il y a les 3 entreprises qui sont à Saint-Martin. Mm-hmm. Et les 43 entreprises ne feront pas du Covid. Alors, ce matin, quand nous étions en conférence avec les responsables du transport sanitaire en Guadeloupe, nous n'allons pas envoyer nos salariés, entre guillemets, à la boucherie. Mm-hmm. Donc, nous avons déterminé un certain nombre d'entreprises qui peuvent le faire, tant en termes de matériel, d'ambulance, qu'en termes de surblouse, de tout ce qu'il faut pour protéger les salariés et protéger aussi les patients, ce qui nous devons intervenir. Donc nous avons déterminé un certain nombre d'entreprises qui vont le faire dans un premier temps. Et nous avons aussi une commande personnelle que nous avons faite pour pouvoir doter les entreprises justement qui aujourd'hui vont être sur le front. Donc, nous prévoyons un certain nombre d'entreprises qui vont pouvoir intervenir, mais pas toutes, bien sûr. Et ces entreprises seront réparties sur le territoire. C'est un calcul forcément qui est intelligent, j'espère, mm-hmm. et qui nous permettra de répondre à la demande du SAMU. Bien sûr, nous n'intervenons pas comme ça, nous répondons à la demande du SAMU. Donc le cas est avéré ou suspect, et nous déclenchons le protocole pour certaines entreprises. C'est vrai que nous sommes 43, oui. 43 qui montent la carte, 43 qui doivent être équipés de manière générale, mais pour ceux qui ont du Covid avéré, nous avons un certain nombre d'entreprises, une dizaine, qui iront au fond. Donc une dizaine d'entreprises de transport sanitaire qui seront donc en capacité d'intervenir sur le Covid. Absolument. Et à partir de quand? Parce que vous nous disiez que ça vient de se décider là? Alors vous savez qu'on est pressé parce qu'il faut tout faire très vite et qu'on est pressé. Cet après-midi, 14h, nous sommes en conférence avec le docteur Pentecôte. Il attend une réponse, il veut le découpage, il veut la cartographie, mm-hmm. il veut tout. Et bien cet après-midi, nous devrions être en capacité de lui donner ce schéma pour qu'il puisse être... Parce que lui, il a besoin absolument d'avoir... C'est un commandant de guerre, mais il a besoin de militants, il a besoin de militaires sur le terrain. Il a besoin que quand il donne l'ordre de récupérer le patient dans telle condition, à tel endroit, dans telle famille, eh bien, il faut qu'il sache sur qui il peut compter. Eh bien, c'est ça ce qu'on va pouvoir lui donner cette nuit. Très bien. Et donc, j'imagine qu'il faut une couverture optimale du territoire. Hein. Ça, c'est le grand défi qui vous est opposé. C'est tout le territoire. Oui, bien sûr. C'est tout le territoire. Il n'y a pas de Marie-Galante couverte. C'est Martin, c'est Barthélemy, la Guadeloupe dans son entier. Donc, nous sommes forcément sur tout le territoire et nous couvrons tout le territoire.
Très bien, merci, merci à vous, Franck Lasserre, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du syndicat des ambulanciers de la Guadeloupe. Merci pour toutes ces informations et toutes ces précisions. On se retrouve d'ici quelques instants. Merci à vous. Bon courage, merci. Vous pourrez nous appeler dans un moment au 05 90 32 80 80. Cette édition spéciale se poursuit après la pause. 14 décembre 2019, Yuan, ville située en République populaire de Chine, peuplée de 11 millions d'habitants, allait devenir tristement célèbre. C'est ici que le premier cas de Covid-19 allait être découvert. Depuis, ce petit virus de 125 nanomètres de diamètre n'a cessé de voyager, au point de devenir une pandémie à l'échelle mondiale. Pour nous parler de ce virus, de ses conséquences et comment limiter son impact, nous sommes allés à la rencontre de Tristan Comorne, pharmacien titulaire. Tristan Comorne, qu'est-ce que le coronavirus ? Ce sont des familles de virus assez communes, hein, qui sont responsables d'épidémies de rhinopharyngite, de gastroentérite. Ce sont des virus qui mutent, et là on a un mutant qu'on appelle Covid-19, et qui lui s'avère très contagieux, mais également assez agressif, et responsable de complications, notamment pulmonaires, qui peuvent entraîner des décès. Comment peut-on attraper le virus ? Il entre dans notre corps par les muqueuses de la bouche, du nez et des yeux. Et il est très souvent ce qu'on appelle manuporté, c'est-à-dire que en toussant dans ses mains, en touchant des surfaces, on récupère du virus, en serrant des mains, en touchant d'autres personnes. Et donc, machinalement, une fois par minute, nous touchons notre visage, et nous portons notre main à notre visage. Et donc, on peut avoir soit directement des postillons qui nous arrivent dans la bouche, dans les narines, dans les yeux, soit du virus qu'on ramasse avec les mains au contact d'autres personnes. Quels sont les gestes barrières ? C'est éviter les contacts, bien sûr, éviter les embrassades, éviter les poignées de main, se tenir à distance à 1 mètre, 1,50 mètre des autres, et puis éviter de toucher les surfaces et de ramener les mains à son visage, donc faire un usage très fréquent d'eau savonneuse pour ses mains, et à défaut, quand c'est pas possible, faire usage de lotion ou de gel hydroalcoolique. Quels sont les symptômes et quand doit-on réellement s'alarmer ? La difficulté avec ce virus, c'est qu'il est le temps d'incubation est assez long, et il peut être jusqu'à 15 jours, et il peut être assez silencieux pendant cette période d'incubation. On a des gens qui peuvent être, pour la plupart du temps, peu ou pas symptomatiques, mais ce qui ne les empêche pas d'être contaminants. Les symptômes, ça va être ceux d'un rhume, ça peut être un nez qui coule, une toux plutôt sèche, et puis ça peut être de la fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures. Voilà le genre de signes, donc des choses tout à fait classiques et qui semblent dans un premier temps bénignes, qui sont celles d'un rhume. Mais ces signes-là doivent alerter si on a ce genre de signes. Si on a de bonnes raisons qu'on pense qu'on est contaminé, on ne se rend pas comme ça à la pharmacie ou chez le médecin. On reste chez soi. Si on n'a rien de trop grave, on appelle son médecin et le médecin va nous donner une conduite à suivre. Et s'il y a des produits à prendre, on les fera prendre par quelqu'un d'autre, que soi ou sa proche famille, qu'on est susceptible d'avoir aussi contaminé. Et si c'est grave, on fait le 15, c'est-à-dire si on commence à ressentir des gènes respiratoires, ce genre de choses, on fait le 15, et c'est le 15 qui va orienter le patient vers les services de soins hospitaliers. On ne se rend pas spontanément, si on a des soupçons ou des signes avérés de la maladie, on ne se rend pas spontanément à la pharmacie, chez le médecin ou à l'hôpital. On reste chez soi, on appelle son médecin, et si c'est grave, on appelle le 15. Qui sont les personnes les plus sensibles ? Les personnes âgées. Parce que vraisemblablement leur système immunitaire a tendance à s'affaiblir au fur et à mesure qu'on avance dans l'âge. Donc les personnes très âgées, 80 ans et plus, sont vraiment des gens à risque. On est à risque dès 65 ans, mais le risque augmente vraiment très considérablement après 70, voire après 80 ans. Tous les gens qui ont des maladies chroniques au niveau respiratoire, de l'asthme, de la mucoviscidose, et qui ont tendance à avoir des problèmes respiratoires, les fumeurs, et évidemment tous les gens qui ont des maladies chroniques, le surpoids morbide avec des IMC supérieurs à 40, le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques,
tous ces gens-là sont considérés comme des gens à risque. Et évidemment, une autre population à risque, ce sont les femmes enceintes. Peut-on encore trouver des masques ? Nous sommes face à une pénurie criante, alarmante de masques. Aujourd'hui, il est très délicat pour les professionnels de santé de travailler. On est obligé de rationner les masques. Et nous nous retrouvons dans une situation où les professionnels de santé, en particulier libéraux, à ce jour, ont des difficultés à se protéger et peut-être risquent de se contaminer et risquent d'être à leur tour contaminants. Donc il est absolument urgent que la chaîne logistique de fourniture de ces masques soit activée et rendue efficace en Guadeloupe. Parce que là, pour le moment, on n'est absolument pas dans le compte. Moi, je finis ma boîte de masques aujourd'hui, j'ai été livré et je tiens, j'ai le droit à une boîte de masques pour mon équipe, c'est-à-dire même pas une semaine de fonctionnement. Et quand je dis mon équipe, c'est pharmaciens et préparatrices. Il suffit de regarder derrière nous, tout le monde est au combat et tout le monde est exposé. Pharmaciens comme préparateurs, comme apprentis, comme même personnel de ménage de la pharmacie est exposé au même risque au contact de la patientèle. Donc le message, il est clair, on a besoin de masques en Guadeloupe. Activons les choses, s'il vous plaît. Peut-on utiliser des masques faits maison ? On a des gens qui utilisent des masques de chantier, qui confectionnent des choses avec des tissus, etc. J'ai envie de dire, faute de grives, mangeons des merles, c'est mieux que rien, c'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc à eux de penser à laver ça en rentrant à la maison, avec de l'eau chaude savonneuse, à changer les choses régulièrement. Et puis bien sûr, le mot d'ordre, c'est limitons les sorties pour les choses indispensables. Trouve-t-on encore des gels désinfectants ? Rupture nationale pendant un moment de gel fabricant, rupture d'approvisionnement de la Guadeloupe. Hein, les problèmes d'approvisionnement sont évidemment chez nous accrus du fait de notre insularité et de notre éloignement. Donc, on a eu l'autorisation de développer la fabrication de lotions hydroalcooliques et nous nous fournissons dans une usine de distillation. C'est pas la peine pour les particuliers d'y aller, mais localement, on a développé des solutions pour fabriquer des lotions hydroalcooliques à destination des professionnels de santé. Et ça, il y a énormément de pharmacies réparties sur tout le territoire de la Guadeloupe qui ont mis en œuvre ce genre de solution et qui commencent à en proposer au public. Alors, les personnels prioritaires pour ça sont évidemment les professionnels de santé qui sont, eux, exposés au contact des patients, les gens qui continuent à travailler au contact des patients comme les caissières des supermarchés, les livreurs, etc. Pour les particuliers, je rappelle que la méthode de référence là reste le lavage de mains avec l'eau savonneuse. On utilise du gel que quand on n'a pas accès à ça. Malheureusement, en Guadeloupe, nous avons régulièrement des coupures d'eau, ce qui complique grandement l'hygiène à la maison. Et on comprend l'intérêt important des Guadeloupéens pour ces lotions. Alors, les pharmacies recommencent à arriver à en proposer, à fabriquer, mais n'utilisons pas ces gels si on est confiné chez soi et qu'on n'a aucune raison de sortir. On se lave les mains à l'eau savonneuse et priorisons ceux qui sont au contact des patients et du public. Dois-je croire ce que je lis sur Internet ? Sur Internet, évidemment, le pire côtoie le meilleur. On connaît le côté extrêmement toxique de certains réseaux sociaux et sans parler de toxicité, on sait aussi que tout y circule comme information, avec des choses qui peuvent être tout à fait judicieuses et d'autres qui sont tout à fait validées et d'autres, par contre, qui sont tout à fait farfelues et pas validées. Alors, quand on regarde des choses, je pense qu'il y a une règle de base. C'est un, de remonter à la source et de vérifier la source de l'information, et deux, de s'imposer à soi-même de ne pas véhiculer une information si on ne l'a pas validée. Ça, c'est la base, parce que sinon, cet formidable outil qu'est Internet et les réseaux sociaux peut devenir la pire des choses et être au contraire vecteur de mauvais gestes, de mauvaises prises en charge, de mauvaises attitudes qui peuvent être plus délétères que efficaces. Comment peut-on éviter de saturer les pharmacies ? Les pharmacies, on y va si on a des traitements à aller chercher ou des choses de première nécessité.
On n'y va pas pour faire un tour tous les jours pour regarder si le nouveau cosmétique ou le nouveau complément alimentaire est arrivé. Ou comme je l'ai vu hier, une personne confinée, sportive, qui est venue uniquement pour aller chercher des protéines pour faire son sport et pour prendre de la masse musculaire. C'est pas du tout l'heure de jouer à ça. Je rappelle que on est confiné. Qu'en est-il réellement des activités physiques ? L'activité physique a tout à fait sa place et son intérêt, mais on parle d'activité physique douce, régulière et douce. De la marche, des choses où on met pas l'organisme, on pousse pas l'organisme dans ses retranchements. C'est au contraire très dangereux de faire ça. Et ça peut entraîner des problèmes et des complications cardiaques, comme des morts subites en période virale, si jamais on s'amuse à faire du sport intense. Donc surtout pas de sport intense, de l'activité régulière, quotidienne et douce. Quels sont les médicaments à réellement éviter et pourquoi ? Il est absolument dangereux de prendre des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, qui est susceptible d'être vendu sans ordonnance, pour ne pas les nommer Nurofen, ibuprofène, Advil, etc. et compagnie. C'est, il faut surtout pas prendre ce genre de choses, surtout éviter tout ce qui est corticoïdes inhalés et par voie générale, les dérivés de la cortisone, la prednisolone, le béclométasone, des choses comme ça, parce que en fait, ça baisse nos défenses immunitaires et ça ouvre un boulevard au virus pour pénétrer chez nous et également pour s'y multiplier, se répliquer. Les formes les plus complexes, les plus graves, les cas les plus difficiles sont souvent liés à des prises d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et à des prises de corticoïdes. Concernant le paracétamol, ça n'a aucun intérêt de s'amuser à faire des stocks qu'on a pu le voir ces derniers temps. Le paracétamol, je rappelle que c'est un médicament normalement contre la douleur et contre la fièvre. Donc ça n'a aucun rôle préventif à l'égard des maladies virales. Et je dirais même autre chose, la fièvre, c'est une réaction physiologique de notre corps. Nous augmentons notre température pour activer nos défenses immunitaires. Le fait de prendre du paracétamol, ça inhibe, ça retarde l'efficacité de notre système immunitaire. Et puis, la température élevée liée à la fièvre, elle est défavorable également pour le virus. Donc notre défense naturelle qui consiste à élever notre température pour lutter contre le virus, c'est pas malin de s'amuser à l'inhiber en prenant du paracétamol. Personnellement, moi ma position, c'est qu'on ne prend du paracétamol que si la fièvre nous pénalise. Au-delà des 39,5, quand on risque des convulsions, quand on risque des délires, et que la fièvre peut devenir délétère chez les gens, et notamment chez certains enfants qui risquent de convulser, etc. Mais sinon, personnellement, et j'invite les gens à faire de la même manière, apprenez à supporter votre fièvre, elle est bénéfique pour traiter le virus. Qu'en est-il de la médecine par plante ? À titre de prévention, il existe des plantes qui sont dotées de tanins de type flavonoïde qui leur confèrent des propriétés antivirales avérées sur les arbovirus. On l'a vu pour la dengue, le chikungunya, le zika par le passé, mais également vraisemblablement sur les coronavirus. Alors chez nous, on a une spécialité qui a été faite par le docteur en pharmacie Henri Joseph qu'on appelle Virapic qui contient Zebapic. Et c'est pas idiot de prendre une cuillère le matin à titre préventif et deux par jour à titre curatif si jamais on est touché par la maladie. Ce sont des bonnes idées. On évite bien sûr, du fait de la présence d'alcool, chez les enfants, chez les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Il y a des préparations maison de Zebapic. La difficulté qu'on a avec, c'est qu'on ne sait pas comment elles sont dosées, quelle est la teneur en actif et quelles sont les bonnes doses à prendre, choses qui ont été validées dans la spécialité Virapic et qui est disponible dans les pharmacies de Guadeloupe. Pareil, on évite de faire de surstocker de manière à ce qu'il y en ait le moment venu pour les gens qui en ont besoin. Il y a d'autres plantes qui ont ce genre de propriétés, des extraits de cyprès bien faits, des laboratoires pilèges, ou éventuellement des extraits de pépins de pamplemousse. Lorsque je suis confiné, que dois-je faire pour avoir mes médicaments ? On envoie quelqu'un dont on a un voisin, un ami,
donc, dont on est sûr qu'il n'est pas contaminé, pas contaminant. Et à ce moment-là, on peut aussi envoyer des ordonnances dans les pharmacies, par Internet, par fax, par ce genre de moyens, faire préparer les ordonnances dans les pharmacies et venir les chercher au guichet de garde. J'invite un maximum les gens à fonctionner de cette manière-là, de manière à limiter les passages à l'intérieur même des pharmacies. Que faire si l'on pense être contaminé ? Si j'ai le moindre doute, je reste chez moi, j'appelle mon médecin. Et si vraiment j'ai des signes évocateurs et des difficultés respiratoires, j'appelle le 15. N'allez pas à la pharmacie si vous êtes susceptible d'être contaminé par le virus. Vous allez contaminer les autres, vous allez contaminer l'équipe et vous allez être un facteur de diffusion de l'épidémie et vous risquez de rendre malade des soignants qui ne pourront plus vous servir. Nous voici de retour dans votre édition spéciale consacrée donc, comme chaque jour, à la gestion de la crise du coronavirus. Donc dans notre archipel, je vous rappelle notre numéro 05 90 32 80 80 si vous souhaitez intervenir, témoigner, nous raconter votre quotidien de confiné, ce que vous mettez en place chez vous, avec vos proches, pour passer cette période de confinement qui, comme vous le savez, va durer. C'est pas qu'elle peut durer, elle va durer. Et donc, il va falloir s'organiser, se protéger aussi, prendre soin de nous-mêmes et de nos proches pour éviter de contracter ce coronavirus, ce Covid-19. Bien, nous avons en ligne Brigitte Failleton du syndicat des infirmiers libéraux de la Guadeloupe. Bonjour Madame Failleton. Oui, bonjour tout le monde, je vous entends pas très bien. Non, on vous entend très bien, rassurez-vous. Vous allez nous parler de la plateforme de mise en relation des infirmiers et médecins, voire même des patients, qui a été créée donc par les infirmiers libéraux pour prendre en charge les patients Covid-19. Hein. Vous venez de mettre en place cette plateforme. Alors en fait, c'est une plateforme donc, qui s'appelle la plateforme Musicaire. Alors moi, je rappelle, je suis une élue, je suis la secrétaire de l'URPS infirmier. Et donc l'URPS infirmier a mis en place depuis déjà quelques temps une plateforme qui permet, c'est une solution qui permet justement de faciliter la sortie des patients à l'hôpital pour pouvoir trouver des infirmiers le plus rapidement possible. Et maintenant, cette plateforme, elle s'est adaptée. Elle s'est réadaptée justement au Covid, hein, pas le choix, hein, va falloir combattre ce virus et elle va permettre justement de s'adapter également à l'adventite qui est les nouveaux actes que les infirmiers pourront réaliser dans notre nomenclature et notamment la télésurveillance. C'est une plateforme qui met à disposition en fait des établissements pour pouvoir mettre en relation avec des infirmiers, mais également des médecins libéraux et des spécialistes. Comment ça s'organise tout ça? Alors c'est une plateforme qui est déjà présente, elle est déjà opérationnelle. C'est vrai que vous savez, comme tout lancement de nouveaux outils, bon, on a eu des petits couacs, il y a eu des petits problèmes d'activation de certains comptes, mais tous ces problèmes-là ont été réglés rapidement. Et donc ça s'organise en allant sur le site internet indie.care, indze.care. Donc les médecins libéraux pourront s'y inscrire. Et là, ils trouveront, en fonction de leur localisation, les infirmiers qui, eux, ont activé des comptes et ont sélectionné les soins pour lesquels ils sont experts ou plus à l'aise. Et c'est là où on retrouve justement la partie du télésuivi et de la télétransmission. Et donc tout ça, vous nous dites que tout ça fonctionne, hein, c'est opérationnel, il n'y a pas de bug, ça fonctionne et ça vous aide surtout. Alors, pour l'instant, il y a eu des offres de soins de certains établissements. Nous avons signé une convention avec l'HAD de Choisy
Et donc, bon, c'est vrai que je vous avoue que parfois, il y a eu des petits moments où on est sur des réseaux, mais il y a quand même des offres de soins. Pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a eu un infirmier qui a eu une offre de soins via un patient, parce que les patients peuvent également ouvrir leur compte sur Indicare pour faire des offres de soins des infirmiers les plus proches. Allô ? Oui, merci, merci à vous. Brigitte Failleton, je rappelle que vous êtes présidente du syndicat des infirmiers libéraux. Non, je suis la secrétaire. Vous faites bien. Je suis la vice-présidente de la Fédération nationale, de la FNI. Voilà. Donc, pour être précis. Ce qu'on voulait rajouter, c'est qu'on a eu le soutien de l'ARS. Hein, on a eu le soutien de l'ARS qui nous a soutenus dans ce projet-là. Et on est prêts, nous, en tous les cas, avec cette plateforme, à, dès lors, bien sûr, que les collègues auront du matériel, dès lors qu'on pourra prendre en charge en téléconsultation ces patients à domicile, dès lors qu'on aura du matériel, bien sûr, que ce sera une grande aide dans le... dans le dispatching et dans la prise en charge des patients en maintien à domicile. Merci à vous, Madame Failleton, d'avoir répondu à nos questions et d'être intervenue dans notre édition spéciale. Merci, bonne continuation et bon courage à vous et à vos collègues. Merci beaucoup. On essaye de trouver des solutions pour nous, pour tout le monde. Et je pense que c'est vraiment tous ces acteurs de santé ensemble. Faut qu'on réfléchisse justement à fluidifier toute cette prise en charge à domicile. Quoi. Parfait, merci. Vous avez notre soutien. Bon courage à vous. Un communiqué du préfet qui est tombé il y a quelques instants concernant la continuité territoriale en ces circonstances de confinement et de gestion de crise coronavirus. Donc le préfet a décidé d'une troisième rotation aérienne hebdomadaire sur Marie-Galante. Donc en accord avec la compagnie aérienne Air Antilles, le préfet a donc décidé d'établir une troisième rotation hebdomadaire entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante le mercredi après-midi. Donc on rappelle donc que les vols seront opérés les mardis, mercredis et vendredis. Pointe-à-Pitre, Marie-Galante à 15h30, Marie-Galante, Pointe-à-Pitre à 16h05. Des adaptations ne sont pas à exclure en fonction des demandes. C'est ce qui est précisé donc également dans ce communiqué. Et il est précisé aussi que les déplacements aériens doivent relever soit d'un motif impérieux d'ordre personnel et familial, soit d'un motif de santé relevant de l'urgence, soit d'un motif professionnel ne pouvant être différé, et la priorité étant donnée bien évidemment au rapatriement sanitaire. Donc voilà pour ce communiqué du préfet de région. Nous partons au 05 90 32 80 80. Nous avons en ligne le recteur d'académie, Mostafa Fourard. Bonjour, monsieur le recteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre en direct à nos questions dans cette édition spéciale. On va parler d'éducation avec vous, évidemment, et de la manière dont les choses sont gérées au niveau de l'académie. On sait que tout est mis en place pour assurer une continuité de l'enseignement, donc à distance, avec les élèves qui sont confinés avec leurs parents. Comment ça se passe depuis que ce dispositif est mis en place, depuis que les établissements scolaires ont été obligés de fermer ? Écoutez, ça se passe plutôt bien pour le moment. Vous savez, c'est des circonstances exceptionnelles. Il faut des mesures exceptionnelles. On essaie de nous adapter. On s'est préparé. Nous avons eu aussi la chance, si vous voulez, d'avoir le temps de devoir monter en puissance les difficultés au niveau de la métropole, ce qui m'a permis de mobiliser l'ensemble des personnels de l'éducation, à savoir à la fois les chefs d'établissement, les inspecteurs, les enseignants. Et donc, nous avons mis à profit le vendredi, juste avant la fermeture des écoles, pour mobiliser l'ensemble des professeurs pour qu'ils présentent et proposent des plans de travail pour les élèves. Très bien. Et donc, tout ça fonctionne parfaitement ? Tout n'est pas parfait, vous savez, c'est une situation très très compliquée pour tout le monde. D'abord, travailler à distance, pour un certain nombre de personnels, c'est une découverte. Mm-hmm. Pour d'autres, c'est la confirmation de choses qu'ils savent faire, y compris quand ils sont dans leur bureau. Nous avons deux exigences. La première, c'est une continuité administrative, et la deuxième, c'est une continuité pédagogique. D'abord, je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour assurer ces deux continuités. Et il y a des chefs d'établissement qui sont présents dans leur
leurs établissements. Il y a des directeurs d'école également qui sont présents dans les établissements. Et donc, pour assurer cette continuité, je rappelle, elle a deux objectifs. Oui. Le premier, c'est de maintenir le niveau général des élèves. Et le deuxième, c'est d'éviter le retard ou le décrochage, d'autant plus que notre académie, comme vous le savez, a connu un mois et demi de décrochage. Ben oui, justement, voilà. ça fait beaucoup sur une année scolaire. Oui, tout à fait. Bon, on ne va pas revenir sur cet épisode. Oui, c'est du passé, c'est du passé. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en train de le payer. Et donc, c'est pour cela que nous devons encore doubler d'efforts, si vous le permettez, pour pouvoir garder ces élèves avec un certain niveau. Et ceux qui m'inquiètent, c'est ceux qui seraient sur le point de décrochage. Et donc, il faut absolument qu'on soit à leur côté. Et nous avons trois leviers. On a d'abord le maintien du lien. Chaque élève doit rester en contact avec ses professeurs pour faire le point sur l'état d'avancement de ses apprentissages, faire état de ses difficultés éventuellement. Nous avons un deuxième levier, c'est nous assurer que ce que nous transmettons, c'est d'abord un contenu pédagogique de qualité. Et puis enfin, il faut aider les parents qui en ont le plus besoin dans le suivi du travail des élèves. Donc nous avons adopté une démarche pour nous assurer d'une bonne continuité du service de l'éducation et sa cohérence au niveau donc de l'académie. Tout ça est piloté, mais il y a aussi un pilotage national. Et au niveau de l'académie, on a déconcentré au niveau des établissements, au niveau des écoles, avec la mobilisation des inspecteurs, des professeurs et des chefs d'établissement. Voilà donc un peu l'organisation. Mais si vous voulez, on s'appuie sur deux choses. La première, c'est d'abord l'outil numérique. Ça, c'est une chance aujourd'hui d'avoir l'outil numérique. Beaucoup de professeurs travaillent avec leurs élèves en utilisant l'environnement numérique du travail, notamment dans le premier degré. Dans le second degré, on a une application, un logiciel qu'on appelle Pronote qui permet d'échanger entre les professeurs et leurs élèves. Les collèges et les lycées ont une utilisation très très régulière de ce dispositif. Nous avons aussi la messagerie électronique, les réseaux sociaux du type WhatsApp ou encore des SMS. Donc là, on est assuré que les profs sont en contact avec leurs élèves pour leur transmettre des instructions de travail, des exercices, des documents à étudier. Et puis vous savez que nous avons également des connexions avec une plateforme du CNED, hein, c'est l'enseignement, le Centre National de l'Enseignement à Distance. Et je suis agréablement surpris de voir que, par exemple, hier, on était à 10 000 classes virtuelles. C'est comme s'ils étaient en fait en classe physiquement dans leur établissement. C'est-à-dire que chaque professeur qui a créé cette classe virtuelle a pu faire classe avec ses élèves, bien évidemment de manière à distance. Et nous avons également 12 500 personnes qui se sont connectées sur la plateforme du CNED hier avec 3 000 enseignants. Donc ça bouge. Il n'y a pas que ces méthodes de travail. Et nous avons également mobilisé les médias, notamment nous avons une radio amateur dans notre académie, Radio Interschool, oui, Interschool qui diffuse tout à fait chaque jour des instructions, des conseils, des cours qui sont enregistrés par des professeurs ou des inspecteurs de notre académie. Enfin, nous avons un partenariat qui vient de démarrer avec Guadeloupe Première Radio et Belle Radio qui est du groupe RCI. Je suis désolé de citer... Non, nous sommes solidaires, nous sommes solidaires, il faut. D'accord. C'est ensemble, voilà, c'est ensemble que nous gagnerons. C'est pour la bonne cause. Très bien. Alors je voudrais aussi, si vous le permettez, préciser, vous savez, là je parle que des gens qui ont du numérique, et je suis conscient que toutes les familles ne sont pas connectées. C'est la question que j'allais vous poser, tout ça c'est bien, mais cela suppose que tous les élèves et leurs parents soient connectés, et c'est pas le cas. Tout à fait. Alors, pour cela, j'ai demandé aux enseignants d'imprimer les cours et de les acheminer pour les parents. Plus exactement, il y a eu une autorisation faite pour certains parents de pouvoir aller récupérer leurs cours. Ce n'est pas une solution idéale dans un contexte où on demande à tout le monde de se confiner. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur d'autres solutions, notamment avec la poste. Il y a peut-être même une solution au niveau
niveau national qui pourraient arriver par la poste, par l'intermédiaire de la police municipale, en collaboration avec des communes. On est en train d'étudier tout ça. Et une autre démarche que je souhaite développer, également en partenariat avec les communes et les collectivités locales, c'est que je suis en train de travailler avec nos équipes pour identifier toutes les familles qui n'ont pas une connexion Internet. Pour des raisons financières, je souhaiterais qu'on puisse prêter aux enfants du matériel informatique de type tablette ou ordinateur et peut-être aussi fournir une clé 4G pour qu'ils puissent pendant tout ce mois de confinement travailler comme leurs camarades. Donc vous voyez, il faut collectivement qu'on fasse des efforts et ne laisser aucun élève sur le chemin à côté du chemin que nous prenons tous. Oui, il s'agit aussi pour les enseignants, on sait que certains parents s'en plaignent de ne pas trop charger les élèves. Vous avez raison. Vous avez raison, il faut trouver l'équilibre entre il ne faut pas charger trop les élèves et ne pas non plus laisser les élèves sans rien faire. C'est tout cet équilibre que les professeurs doivent trouver. Il n'est pas question d'avoir un emploi du temps chargé dans un contexte anxiogène. Je le comprends parfaitement. Mais il faut qu'on maintienne un travail régulier, journalier, pour qu'il n'y ait pas de rupture, si vous voulez, dans la continuité des apprentissages. Aux parents d'élèves qui doivent aussi assurer le suivi. Ceux qui sont connectés avec les chefs d'établissement, ils ont des instructions, des conseils de professeurs. C'est important effectivement que les parents puissent suivre le travail de leurs élèves. Mais ne serait-ce que s'assurer que les élèves sont en train de travailler. Il n'est pas question de remplacer le professeur. Enseigner est un métier, nous le savons. Mais c'est vrai que le regard des parents est très intéressant pour encourager leurs enfants et puis imposer une certaine discipline, il faut un minimum de discipline aussi. C'est très facile, c'est vrai, quand on est à la maison, de se laisser aller, de se dire, tiens, ben, j'irai jeter un coup d'œil sur nos devoirs un peu plus tard. Mais s'il y a une discipline, un travail régulier, je pense que quand nous sortirons de cette situation de crise, les élèves reprendront le chemin de l'école avec un peu de facilité, j'espère. On le sait, hein, ça va durer encore quelques semaines, et il faut craindre... Excusez-moi, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. On vous entend très bien. Je disais que malheureusement, cet épisode, cette crise va durer encore quelques semaines, et l'impact, il sera évident sur le respect des programmes de cette année scolaire. Absolument, on ne peut pas nier cette difficulté. Et en plus, je suis conscient que cette situation va accélérer en plus le décrochage ou le décalage entre les élèves de milieux favorisés et les élèves de milieux défavorisés. C'est pour cela, puisque nous sommes collectivement conscients de cette fracture qui se crée, qu'il faut qu'on double d'efforts collectivement pour aider les élèves qui en ont le plus besoin. Et de toute façon, je pense malheureusement que nous serons tous marqués par cette épreuve que nous traversons ensemble. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit solidaires et qu'on laisse de côté toutes les chamailleries et les critiques inutiles. Aujourd'hui, nous pourrons faire le bilan le plus tard possible pour qu'on puisse d'abord avancer sur d'abord la réussite de nos élèves qui nous préoccupent, l'état de santé de la population. Vous savez que pour le personnel de l'éducation nationale, nous avons mis un numéro de téléphone parce que nous avons mis une cellule d'écoute et je suis très heureux de voir qu'il y a si médecins de l'éducation nationale qui sont aujourd'hui en train de répondre à d'éventuelles questions de la part des enseignants, des chefs d'établissement ou des directeurs d'école. Merci Mostafa Foura, recteur d'Académie. Merci d'avoir répondu en direct à nos questions dans cette édition spéciale sur OTV et EFM RTL. Merci à vous. Nous venons Merci de recevoir. Je vous en prie. Nous venons de recevoir le dernier point de situation coronavirus en Guadeloupe, daté de ce 24 mars. Alors, ce mardi 24 mars, la Guadeloupe compte 73 cas confirmés de coronavirus, 11 de plus qu'hier.
Parmi ces cas confirmés, 20 patients sont hospitalisés au CHU, 7 patients en réanimation et 13 au service des maladies infectieuses et tropicales. Poursuivez votre confinement et ne sortez qu'en cas d'absolue nécessité. Respectez les mesures barrières. Voilà donc pour ce communiqué de l'ARS. Et donc l'information du jour, c'est que le nombre de cas confirmés de coronavirus en Guadeloupe est de 73, 11 de plus qu'hier, 20 patients donc hospitalisés, 7 en réanimation et 13 au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Guadeloupe. Voilà ce que nous pouvions dire aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette édition spéciale. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette édition quotidienne. Bonne journée, bonne fin de journée à vous. Prenez soin de vous. Bon courage. EFM.